à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cet épisode de Foudry, tout simplement. C'est un petit jeu, alors pour ceux qui connaissent, c'est un jeu à la Satisfactory, Factorio and Company. Et celui-là est un jeu en 3D, dirigé par des robots et donc du coup on va devoir exploiter des ressources, fabriquer des machines automatisées, des recherches, etc. Donc à l'instar d'un Dyson Sphere Programme pour ceux qui se posent la question dans l'idée. Et du coup, on va devoir relever des défis logistiques en construisant des bornes de dérive, etc. On va pouvoir s'éclater comme des fous. C'est un petit jeu développé par Dynamic Media, qui est autre le développeur de Foundry uniquement. Le jeu est prévu pour 2023. Et on va aller le tester tout de suite avec cette nouvelle partie. C'est parti, voilà. Donc voilà, nous voilà sur le jeu. On a de la biomasse. Alors, attendez. Ah oui, on est... D'accord. Alors, dans l'idée, on est vraiment sur du Minecraft, hein. Encore du dirt. Excellent, ça, du dirt. Ouais. Ça. De la biomasse, toujours pas. Bon. La carte est grande quand même, hein. On peut courir. Je sais pas où on va d'ailleurs. Alors. Ah, la carte. Ah, une grande carte quand même. Le réservoir de haut limite. Ok. Eh ben, je pense qu'on va aller là-bas. Ah, peut-être pas. Il faut que j'aille. Ok. Alors. Par là. Mais on va voir. Alors c'est ça? Ah. D'accord, les ressources sont dans le bag. On est un peu dans un esprit un peu de carte. Un peu dans l'idée. Voilà. Ça sent vraiment un esprit carte. Et maintenant, il faut aller chercher du brown ore. Du brown. Et j'ignore où est-ce qu'il est ce brown ore. En vrai, j'en ai aucune idée. C'est... Donc on n'a pas de recherche possible parce que c'est pas équipé. Du xénophérite. Faut que je trouve ça. On va voir si c'est ça. Non, ça c'est de la pierre. Ah. Ah, est-ce que c'est comme dans Minecraft? On va creuser en bas. Par contre, c'est le bordel. Il faudrait bien que les ressources s'en aillent par contre. Ah, les gens vont péter un câble.
Non, c'est que des pierres. C'est coude ou pierre. Bon, c'est dommage, c'est du pierre. Ça va être chiant. Ah, mais on est des génies, pareil. On va recommencer quelque chose. On va recommencer, parce que là. Oui, c'est ça. Allez. En fait, t'en as pas eu, t'as pas fait gaffe, mais en fait, sur la carte, les deux sont à côté, exceptionnellement. Exprès. Ouais, on va la refaire correctement. Déjà pas suffi la flemme d'aller plus loin. J'ai l'impression que la carte d'ailleurs ressemble à, plus ou moins à celle de Minecraft. Donc, autant vous dire que en l'état, on va courir un sacré moment. Ah ouais, ouais c'est intéressant ça. Peut récupérer dans le sol. Ok, maintenant il nous faut de la biomasse. 20 biomasse. Alors, F. Bah, je veux bien, mais ça n'a pas l'air d'être ça, mon capitaine. Ça, c'est les lumières. Ah, ok. Ok. Ah, ouais, on est vraiment sur un mix entre Factorio et Satis, hein, littéralement. Hein. Ok, alors. Alors qu'est-ce que j'en fais de ça du coup? Je peux pas le placer. Ah voilà. Clic droit, vous placez où vous voulez. Et on va le placer. Ah intéressant, du coup j'ai... Alors, oui, c'est fou. Du coup, sur la carte, c'est quoi ça déjà? Le écrou or. Non, on va chercher lui plutôt. Je sais pas où il est d'ailleurs. Ils sont là-bas. Voilà. J'ai pas l'habitude, pour l'instant, je vais être en QWERTY. Je n'ai pas mis en francophone, mais je devrais. Pour l'instant, on prend le max de ressources, hein, on passe. D'ailleurs, on va voir les stacks. Et ouais, les stacks sont limités à 100 pour ceux qui se posent la question. Hein. Ah, on peut zoomer et tout, excellent. Je vais prendre de la biomasse, je pense, si vous vous en demandez. Ok. Ah voilà, c'est bien ce que c'était le doute que j'avais, mais en fait on est vraiment sur un système à la. Voilà, Satis et Factorio, c'est le principe de ressources. Alors, avoir dans le temps, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais, on est à mi-chemin entre les deux. Ouais. Je trouve ça génial ici. Alors, on va en construire un deuxième. Voilà. On va faire un clic droit pour le placer. Voilà.
Et on va le configurer. Ok. Allez. Ah, il manque du fuel. Missing fuel. Alors. Nice. Et oui, on peut quand même faire du split là-dedans, quand même. Ok. Et ça produit. C'est fou. C'est un truc. Mais alors, je m'y attendais pas. Là. En fait, je l'ai découvert par hasard. Et ce truc est d'une dinguerie totale. Rien que là, déjà, l'idée du craft en lui-même est fou. Bon, par contre, faut que j'apprenne à pas appuyer sur tabulation dès que je fais quelque chose. Bon, ça, c'est un peu le débat. Mais... On voit Xenophérite Plate, il m'en faut 40. Vous voyez, vous avez juste à rajouter, vous avez juste à cliquer là, ils en rajoutent sans base. Regardez, tac, petite démentielle, j'adore ce truc. On dirait un gosse de 5 ans qui découvre la vie. Et t'as juste à cliquer sur le bouton et ça te la ressort, c'est génial. C'est. On va pas se mettre à pleurer, mais je trouve ça démentiel. Au départ, j'ai tourné deux vidéos, mais ces deux-là sont ouf. Voilà, tac. Je mets le shutdown par ici. Alors. Il faut que je crafte. Des building docks. Tu es sûr de ce que je veux construire là? Parce que autant les 25 blocs, je suis d'accord. Par contre, 40, les 20, par contre, je les ai pas les 20. Moi. Alors, donc là il faudrait que je craft. Alors, j'ai toujours du mal avec les touches, mais il me faut que je craft un drone miner et je le produis. On va, hop. Allez, on va casser deux armes. Ça fait 2 en 2 plus. Voilà, 30. 40. 50. Allez. On split à 25. Ça, c'est une dinguerie, hein. Hop, tac. Voilà. Et vous voyez, en bas à gauche, il fabrique tout ce qu'il faut pour le faire. Sans qu'on ait besoin. Vous voyez, ça fabrique toutes les pièces qu'on a besoin. C'est hallucinant.
Alors j'ai des fondations mais je veux pas les prendre. Homme de fondation. Bizarre ça. Après, alors ok, tu veux pas les... On va essayer de rajouter un petit peu de plaques pour voir. Et je peux pas le placer. Ok. C'est bizarre, hein? Ah, ou alors il faut que je le place. Ah, ok. Oh. Oh, aïe, aïe. Oh, la tristitude. C'est quoi? C'est F pour ça. Alors. Bioma générateur, c'est écrit. C'est là. Ah, c'est le problème, faut faire attention, tu cliques trop ça. Donc, mon bioma générateur, il est là. Il est construit. Ok. Alors ça c'est bien. Je viens d'apprendre qu'on... Ok. Tac, 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 tac. Alors. On va caler ça. Ok. Ensuite. Je vais caler ça dans un coin comme une... Ok. Et je vais caler ça. Également en surélevé. No power. Et là, il me faut de la biomasse. La biomasse, ça va être compliqué, hein, en vrai. Alors. C'est mignon, regardez. Oh non. Oh c'est Kevin. Et là on voit le, tout le stock qu'on a avec les 4 drones. C'est une dinguerie. Attends. Hop là. Ah, j'ai plus de ressources, tiens. Donc là, par exemple, j'ai un problème, j'ai plus de ressources. Je sais pas où.
je suis parti. C'est si loin que ça? Il faudra quand même que j'en construise une deuxième biomasse. Ah non, avec les fondations, j'en arrive pas autant. Voilà. Ah, vous voyez? Et ça arrête de consommer. C'est génial. C'est génial. Alors, il nous faut. Alors, il en a dit. Ils sont où les smelters là-dedans? Hein, une fonderie. Deux loaders. Et après, j'ai pas assez de ressources. Ah, il fait nuit. Il fait tout noir. Regardez. C'est quand même tendu quand même à placer hein, ces trucs. Hein. On se moque. On va peut-être se moquer, mais. Ouais, j'ai plus de place déjà. Alors. Ok, ah oui, il n'est pas un convoyeur. Ouais, il faudra quand même qu'on revoie le principe des ressources quand même. Parce que là, le truc que je veux, il est tout là-bas. Voilà, là. Ah super! Oui, yes!
Ah bah oui, yes. Bon, par contre, j'ai plus de ressources, mais. Alors, vraiment que je fasse quelque chose pour ça. Ok, alors, B. Les trucs, j'ai vraiment du mal avec les touches, hein, quand même. J'ai l'impression que j'ai deux mains gauches. J'en ai fabriqué 25 000, c'est pas bon ça. Haha. Et là, il n'y a pas de power, donc no power. Parce qu'il me faut ça et j'en ai plus. Ouais, c'est vraiment Factorio, hein. En vrai, 42, hein, c'est interminable. Je suis à deux doigts de changer d'item là, juste comme ça là.
Ok. Plaque. Du coup, vous voyez, comme il n'y a plus de courant, bah en fait, il peut plus le fabriquer. Mais comme je suis quelqu'un de sympa, je vais en fabriquer un deuxième exprès. Il faut que je défonce des arbres encore donc. Ah non, c'est vrai que j'ai pas besoin. Je tente par contre. Tiens, on va avoir des problèmes. Ah ouais. L'arbre sous le pied. En vrai, ça c'est le clic droit là, obligé là, c'est vraiment ça. Par contre, c'est. Par contre, je vois pas pourquoi il veut pas sortir par contre. C'est vrai que j'ai encore du mal à comprendre l'intérêt. Décidément. C'est ça que je veux là. Et ça sort pas les ressources. C'est vrai que je dois faire un build d'abord, mais j'ai envie de finaliser ça d'abord. Ok, General 4 Automation. Ah, il faudra. Ah, mais d'accord. Ah, oui, ok, non, mais c'est ok, d'accord.
Ouais, ça sent. Ouais, je me tape. On va tester un truc pour voir. Eh ben. Ah, ça marche. Alors ça, c'est fou. C'est fou, fou, fou. Donc, en gros, ça faudrait qu'il aille comme ça. Décidément, la rotation là-dessus, c'est pas son truc. Ah, voilà, quand même, je disais aussi. Alors, on va tenter un truc. Ah, t'as juste à cliquer sur E. Ah! Ok, juste appuyer sur E, vous êtes capable de stocker toutes les ressources existantes, bien entendu. Ok. On y va. On clique ici, on clique ici, on clique. Ah, j'en ai plus la porte. Un truc pour bloquer la barre parce que sinon on va le changer à chaque fois et ça va me casser les couilles. Alors, là. De toute façon, il faudrait que j'en fasse une deuxième, de toute façon, de... comme ça. Voilà. Ah, par contre, les conveyeurs ne servent pas à aller plus vite. Notez-le hein, dans vos tablettes.
Enfin, vraiment que je trouve un truc à la place de cette tabulation qui me pourrit la vie. Donc, il me faut un nouveau comme ça et ah oui, il me faut 40 feux. Ok, d'accord. Alors, et ça produit tout seul. Ah oui, 200, oh, 200 de furie de plate. Va falloir du posant quand même. Ouais, bon, on va dire. Ah oui, je suis obligé de lui laisser. Je vais virer la tabulation parce que quand ça me tape sur le système, quand même. Je la tape. Comme ça, j'arrêterai la vue. Comme ça, je pourrais appuyer à vie sur tabulation, il se passera rien. Ça y est, on peut le produire. Donc, un trou, j'allais un trou. J'adore l'idée, vous voyez les ressources. Donc en plus, ce qui est bien, c'est que ça explique vraiment ce qu'on fait. Vous voyez, input toggle. Et vous avez juste appuyé sur un bouton et ça change la portée du truc. Et la couleur de la machine, c'est génial. Ça là, c'est génial. Et regardez, on a pris les 110. Hein. Allez.
Farouk et Weirkol aussi, tout seul à la main. Bon, on va pas briquer les 200 déjà, comme ça c'est fait. Je vais faire pour changer ça. Voilà. Ouais, ça tabasse, hein, mine de rien, quand même. Après, il me faut les Xenophyrid Plate, mais ça, bon, bah, ça prend son plaisir, pas. Hein. Du 26 plate. Aïe 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 aïe. 98. Alors comme on a vu, vous voyez les composants, ils arrivent pas assez vite, c'est-à-dire qu'on produit pas assez de ressources malheureusement. Ça fait quoi? Ça produit 800 kW et on consomme pour l'instant entre 150 et 200 kW. Mais comme là la machine va quasiment être bientôt pleine, je vais pouvoir bientôt la shut down volontairement. Compliqué ces plates à trouver. Hein. Ok. Hop, 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 hop. Allez, on a les 200.
Ok. Hey, comment ça va? J'ai peur de la nuit, monsieur. Donc là, j'en ai 200 à trouver quand même. On y arrive, hein. Vous inquiétez pas, on y arrive. Ça y est. Apparemment, je dois. J'ai une recherche en cours. Ah, et Volta et Énergie, mais c'est bien ce que je veux en fait. Où est-ce que je vais trouver une batterie là-dedans? J'en ai aucune idée. Il me faut 30 science packs comme ça là.
Ok. Ça est plomb quand même, hein, si on doit tout crafter comme ça. Là. Ok, bon bah on avance hein, je sais pas comment mais on avance. On avance. Très loin. On avance très très loin, mais on avance. Oh, regardez. Alors ça, c'est un truc qui va me casser les... Bon, vraiment, ça va. Alors ce que je remarque, dans le bâtiment, malgré qu'il est très... On a un côté un peu cartoon. Ouais. Un peu cartoon. Ok, 63. Ouais, vraiment ça, ça va être... Ça c'est vraiment le truc qui va vraiment casser les pieds aux gens. Hein. Vraiment, hein. Le crafting comme ça là, ça va être un cauchemar pour tout. C'est toujours si long hein, quand on regarde là.
Allez, 80. On y croit. On y croit. Allez, donc là c'est les trois dernières. Les trois dernières. C'est long, très long. Je suis désolé pour ça, j'ai pas grand chose à vous dire, malheureusement. C'est ultra long. Hop là, et la recherche est terminée. Et apparemment la démo est finito, apparemment à cet endroit-là. Voilà, littéralement. Ouais, on est vraiment. Là en fait on a fini la démo en fait. Bon. Honnêtement, j'ai l'impression que ouais, c'est tout, il n'y a pas de contenu prévu. Flashlight. Les ressources, le high voltage, ça c'est top, les recherches, les tableaux de quick. Ah, regardez. Donc, je vais arrêter là parce que voilà, on a fait la première recherche, ça nous a pris une heure quand même pour faire la première recherche. J'aimerais bien. Voilà, le jeu est prévu pour sortir, que je me souviens, je sais plus où c'est rangé. Voilà, hop, 30 000 pages. C'est prévu pour sortir en 2023. Pas encore de date exacte, mais c'est prévu pour sortir en 2023. Et de ce qu'on peut voir dans l'interface, nous avons. Des recherches, mais alors des recherches à vous casser la tête. Parce que vous voyez, vous avez le niveau 1. Voilà. Et en plus, on a droit à des sous-menus et derrière, ce qui est. C'est délirant. La quantité est délirante de production. Donc. A voir par la suite, j'espère qu'on aura d'autres ressources. Parce que pour l'instant, j'en ai pas vu. Je vois qu'on n'a plus de recherches prévues. On a de la pierre, c'est quoi? On va essayer de creuser un peu, tiens. On va creuser.
suis un peu déçu quand même. Je vois rien du tout, c'est le bordel sur la carte. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de la pierre. Alors, en vrai, les mines des pierres comme ça qui tombent mais qui disparaissent pas tout de suite, c'est sympa, mais ça va vite souligner. Donc on voit les strates géologiques du jeu. Ok. Enfin, atteindre des roches un peu qui rapportent quand même. Là. Alors, à noter que c'est des ressources qui sont pas inépuisables. De ce que je vois, hein, les ressources sont pas inépuisables.
Ok, on va attendre un petit peu que ça se décante un peu quand même. Mais ouais. Non, on est bien là. On continue à descendre, hein, toujours plus vers l'enfer. Déjà du titane. Du stone. Ok. Elle est quand même loin quand même. Oh, le jour où ce truc s'effondre, je suis mort. Hein, putain. Allez, on continue. Hein, on essaie de voir ce qui se passe quand on arrive au sol. Alors, en vrai, le défaut, c'est ça. C'est le marteau, c'est les pierres là, qui sont dans le sol en fait qui t'empêchent de voir ce que tu es en train de faire. Alors qu'est-ce qu'on voit si on coupe les murs? Ouais, il fait jour! Et allez, la sortie est par là. Oh, c'est très posé. Ah oui, j'ai creusé un peu plus que ça. Décidément. Alors c'est marrant, c'est qu'on a des ressources les mêmes qu'on avait à la surface au niveau du sol. Ça c'est pas mal. On est où sur la carte là? Vous imaginez, on est parti de là. Allez, on y retourne.
Allez, encore des pierres. C'est long la descente aux enfers quand même. On avance. Alors 55, ok. On a du technum or, c'est marrant ça. C'est la même que ça? Ouais. Et ben on a trouvé du technum or en plus. Allez. On a quand même la quatrième ressource, vous voyez, on a du lignium, de la xénophérite, du technum, ça s'appelle comme ça, le technum. Ok, 48, approche du bout. La différence, c'est que, alors, à court, voir si, dans le, si ça sera fait pareil ou pas, on est quand même à mi-chemin quand même entre Satis, Factorio et Minecraft. Ça, c'est fort. Parce que Minecraft, pour le côté crafting au niveau du sol, les ennemis en moins, bien entendu. Coucou le petit creeper que tu avais oublié dans la descente. Ou la flaque de lave parce que tu as creusé dans le sol et que tu t'en es pas rendu compte. Par exemple. Non ! C'est pas vrai. Alors, on en est où là? On descend, hein, toujours plus. Hein. Littéralement, j'ai un peu, je sais pas combien de temps ça fait de creuse, mais j'ai l'impression que ça n'en finit pas. Parce qu'en fait, c'est ces putains de pierres qui gênent. Littéralement. Hein.
Vraiment, vraiment, c'est putain de pire, c'est un cauchemar hein, pour toi. C'est un putain de cauchemar. Tout, 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 tout. Allez, 37. Encore? Voyez? C'est exactement ce que je viens de dire. Vous voyez, on voit plus rien. Vous voyez, je peux pas y aller. C'est juste ces pierres qui ont du mal à disparaître. Je pense qu'ils devraient accélérer un peu le principe de la destruction. Vous voyez? 2 secondes de plus de destruction, ça changerait tout. Pour moi. Pour moi, c'est ça, hein. Ça changerait largement tout le jeu, hein. Ce serait plus le même. Hein. Donc, ouais. Allez, on reprend les bonnes bases, on y croit. On y croit, on y croit. Vingt-sept. C'est infâme. C'est une infamie littéralement, hein, descendre. Vraiment, c'est vraiment le truc qui peut casser les pieds des gens. Vous voyez, si vous devez creuser comme ça pendant des heures. Parce que littéralement, c'est ce qui se passe. Hein, vous voyez, encore, on a qu'une. Je pense qu'on a vraiment une toute petite partie de ce qu'on a sur la carte après. On ne sait pas si la biomasse. Pour la changer pour autre chose, je crois que oui, mais j'ai pas regardé en temps. Je crois que si on peut, peut-être, enfin, j'en sais rien. Mais je pense qu'il y a moyen qu'on puisse transformer ça par des courants électriques classiques. Alas, oh tiens, une nouvelle ressource, tiens. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, on a un nouveau skin de pierre, pourquoi pas. Ah ouais, alors ça par contre, ça va être trop dur. Alors c'est marrant, ces pierres-là donnent l'impression d'être les mêmes skins qu'on avait dans Stargate Atlantis, principalement, c'est le plus. Tout ce qui est Stargate principalement et Atlantis par-dessus. Toute la partie introduction de l'Atlantis était faite comme ça. Je trouvais ça amusant d'ailleurs, de l'idée de. Ah, tiens, on va faire ça comme ça. Allez, on y croit. Encore 16 blocs et on atteint le bout. Alors pour les biomes, bah malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choix en biome. Vous voyez, on a un biome de pierre, par exemple, un pierre. On a désertique, petite forêt et forêt dense, littéralement. Enfin, prairie et forêt. Ce serait plus judicieux. La forêt et la prairie. Encore qu'il y a beaucoup d'arbres dedans, donc ça.
Vraiment, t'as plutôt une grande forêt et une petite forêt. Allez, 13 blocs et on est fini. On y croit. Ah, regardez, pour détruire les items, vous avez une poubelle. Ça, c'est bien ça. Voilà. Plus que 8, plus que 7, plus que 7. Bon, après, on se fera la remontée, hein, la remontada. Plus que 5, on y croit. Ça y est, on est tout en bas. Et on va remonter tout ça. Hush, hush, hush. Oh la remontada. Allez, on y va. Tchac, 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 tchac. Hush, 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 hush. Alors attends, c'est quoi la tisanière là? Ah, j'avais oublié de mettre un... Ya, 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 ya! Allez, remonte! Eh bien, eh bien, eh bien, c'est fait tout ça. Voilà, tout est fait. Du coup, on est retourné. Si je retrouve la carte. On a une forêt là-bas. On va aller voir ce que c'est. Tiens. On va voir de la forêt. On va faire un peu de développement souterrain. On va essayer de faire voir un peu ce qu'il y a au-dessus de la forêt. On a une grande forêt du coup. On va voir comment ça rapporte. Alors ça rapporte 10. Eh bien ça rapportera 10 aussi tout simplement. Et ça, eh bien ça rapporte 3 biomasse tout simplement. Ok. Et là on est dans la zone une petite montée tout simple. Alors hop hop, on y croit, on y croit.
Bah, c'est quand même glauque, hein. En fait, toute la zone est remplie de pierres. Allez, on continue un tout petit peu. Il est quelle heure là déjà? Ok, on prend un tout petit peu et on va s'arrêter là. Du coup, de ce que je vois, en fait, on n'a pas beaucoup. On va aller voir les réservoirs, tiens, vite fait. Bah non, mais je pense qu'il n'y a pas de... Il y a 4 ressources en fait en tout. 4 ressources. 5. Le biome, la biomasse, la terre. Enfin, des grosses ressources. Hein. Après, on a ressources minerais, on en a 4. Le lignium, le xénophyte et le technou. À confirmer, mais je crois que lui aussi va être dans... Ça va être la même chose. Oh, punaise! Et le réservoir est juste là, devant nous. Et on peut pas le miner. Donc c'est le réservoir d'olumine, voilà. Voilà, vraiment, on a vu tout ce qu'il y avait dans le jeu, hein, littéralement. Vous ne verrez pas plus, puisqu'il n'y a rien de plus à voir, pour l'instant. J'espère que ça vous aura plu, quand même. Hein, j'espère que ça vous aura plu, vraiment. Et puis, bah, n'hésitez pas, hein, testez-le. C'était le skill, puis bah, au prochain numéro. Ciao.